tous les gars, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. On se retrouve dans un petit tuto qui, méfiez-vous, va en aider plus d'un. Donc en fait c'est aussi simple que ça, c'est quand vous avez une carte rouge, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc imaginons vous avez un joueur qui a une carte rouge, en l'occurrence ici moi on va dire que c'est mon ou pas mécano qui a une carte rouge, donc ce joueur-ci a une carte rouge. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais rajouter un joueur ici. Hop, on va rajouter Carlos Alberto, imaginons. Donc mon joueur a une carte rouge. Je dois l'enlever du terrain, mais je le mets là, ça va pas. Là, je peux toujours pas lancer mon match parce que mon joueur est sur mon banc. D'accord? Donc en fait, il suffit tout simplement de mettre vos joueurs en réserve. Donc comme vous voyez, juste en bas, à côté de Alberto, vous avez réserve. Donc ici, à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est les joueurs en réserve. Donc si vous avez une carte rouge, il vous suffit de remplacer votre joueur qui a la rouge. Excusez-moi, hop. Donc ou pas mécano à la rouge, je le mets en réserve. Je joue un match comme ça et ensuite, je peux le remettre dans mon équipe. Donc voilà, ça c'était une petite info pour les joueurs qui commencent fut et qui ne savent pas ce qu'il faut faire quand il y a une carte rouge. Donc voilà, je vous l'ai expliqué, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!